la boue du troll. Bah de rien les amis. Allez, qu'il est prétentieux, il est désagréable. Ils sont à l'agonie. C'est clair. Trop de mec. Non mais merci de l'avoir distrait pendant que je le niquais. Pardon. Non mais je rigole, ça va. La prochaine fois on peut te laisser tomber dans l'acide aussi. Hein. Ouais mais ça, j'ai fait exprès. Ouais, je me rappelle. C'était une tactique. Ça a marché d'ailleurs puisqu'il est mort. Bon on le fouille, on fait un truc. Faites-moi un test d'investigation. Alors, soit vous faites chacun un test d'investigation et vous avez le résultat, soit il y en a un de vous deux qui le fait et l'autre l'aide et celui qui fait a avantage. Donc, tire 2 dés et ajoute son bonus à lui. Bah, moi... Faut que j'ai tué un monstre. Non. Moi, je le fouille de toute façon. Toi, tu fouilles le corps du troll, d'accord. Oui. Après, c'est elle qui décide si elle m'aide ou pas. D'accord, très bien. Et toi, tu fouilles la pièce? Je vais d'abord l'aider à fouiller. D'accord. Ok. Sur un. On fait quoi? Donc c'est. Non, c'est juste c'est, petite c'est... question technique. Oui. Si je le fouille et qu'elle m'aide, c'est moi qui trouve quand même? Ou alors non, c'est non, vous deux? C'est vous deux. Ok, d'accord. Dégoûté. Incroyable. J'ai l'impression de regarder Survivor, quoi. C'est moi qui ai le code d'immunité, c'est moi qui ai mis la main dessus. T'as la mémoire courte, je crois. J'arrête pas de faire ça, je sais pas pourquoi. Tu trouves une potion de soin. Oh waouh! C'est trop stylé. Ah ouais. Tellement. Comment ça marche? Cette potion de soin, quand tu l'utilises, tu la débouches, tu tires les dés. Oh là là! Et tu as donc ça, la somme de tes dés plus 4, je crois. Ça, c'est beau, ça. T'as vu ça? Je peux voir juste. Ouais. L'objet. Elle s'appelle en revient. Elle s'appelle en revient, attention. Mais du coup, vu qu'elle n'a pas trouvé tout seul, tu vas la partager. De quoi? Je confirme. Tu vas la partager parce que moi à la base j'avais dit je vais fouiller le troll. Non, finalement je vais rester pour le soigner. Ouais, ce qui était très sympa de ta part. Je fais ce que je veux. Et tu trouves également ils nous ont 600 pièces d'or. Ça, tu fais netto. 600 pièces d'or? Ouais. Putain, c'est un gros tas de pièces d'or. Bon, elles sont dégueulasses, hein. Mais 600 pièces d'or. Ok. Changement d'ambiance là. Non, ok, ok. Mais de toute façon... On l'a vu. Bon, je te dis, qu'est-ce qu'on... Je sais pas, est-ce que tu souhaites être particulièrement discret en fouillant et en... Non, mais moi, je les ai vus. Hein. Non, moi, je suis trop dans l'euphorie de l'avoir buté pour être discret. Tu n'essayes pas d'être discret, oui. Vous l'entendez faire... vous l'entendez même s'exclamer, genre... Wow. Il y a vraiment beaucoup de pièces d'or. Ah ouais. Il y a 600 pièces d'or à vue de nez, là. Mais en gros, de toute façon, je vais pas compter 600 pièces. Je vais pas faire. Oui, bien sûr. Vois, ça, c'est un truc qu'on fluidifie, en fait. Je peux jeter un dé pour savoir combien. Ah, je m'en fous, quoi. C'est juste pour dire. Genre, à vue de nez, je me mets juste un peu plus à moi, quoi. Attends, mais là, t'as réussi à Karna. Oui, non, mais je veux dire que c'était pas dans le but vraiment de. Genre, je veux pas faire perso. C'est juste pour dire, t'es arrogant, Tu te mets une petite parade. Je me mets un peu plus, quoi, à moi, quoi. Bon, vous avez fini de fouiller cette pièce. C'est un chaud. Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant? Bon, on va aller voir l'autre. Vous partez par là? Oui. Vous prenez un petit escalier, donc cette salle est très belle et je suis très content de son usage maintenant. Terminé. Vous arrivez. Donc toujours le même ordre, dites-moi en premier. Ensuite, Birzim et Arsael. Et Corbe qui reste aux arrières pour prendre soin des gens qui se blessent. Et vous voyez au loin une nouvelle pièce. Ouh. Ouh là là. Mais c'est les catacombes. C'est... Trop cool. C'est tellement cool. Passé. Il y a beaucoup de crânes quand même. Je vous laisse vous déplacer si vous le souhaitez. Donc vous pénétrez dans cette pièce. Oui. Je vous mets toujours dans le même ordre. Hein. Oui. Dites-moi en premier. Oulala. Tu me dis si tu veux te mettre autre part. Non. Non, c'est très bien. Très bien, à côté des tas d'eau là. Moi, ma lumière, elle marche plus. Hein. Ah oui, c'est terminé. Qu'on est là, hein. Ouais. Oui, d'autant qu'il fallait. Ouais, mais il fallait garder la concentration. Sacré torche au pire. Vous arrivez donc dans cette pièce-là. Donc vous voyez les monticules d'ossements. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que tous ces ossements-là, vu que lui, il a l'air d'avoir une salive acide, c'est sans doute pas lui qui a fait tout ça, quoi. Le monstre. Le troll? Ouais. Après, il a peut-être dégusté délicatement la chair. Comme on ronge des petits os de poulet, quoi. Ouais. Ouais. Je sais pas, hein. Donc je disais, l'atmosphère est particulièrement aride. Vous sentez... Comme si vos gorges s'asséchaient légèrement. Il fait particulièrement sec et austère. Bon, on fait un petit peu le tour de la pièce. En termes de lumière, il faut qu'on reste plutôt ensemble, du coup, si on a que Vous voyez tous dans le noir. Vous avez la vision dans le noir jusqu'à 120 mètres, je crois, non?
120 pieds. 120, 120 pieds, et donc ça nous fait... beaucoup. 6... Ça fait 24 cases, donc ouais, vous voyez, vous tous, vous voyez, c'est juste Dithmir qui est un peu en galère, il a un rayon de 4 cases autour de lui, où il voit à peu près, avec sa torche. Bon, on fait un petit tour de la pièce. Mm-hmm. Ouais. Ou alors, est-ce que vous préférez qu'on avance directement? Est-ce qu'on peut... Attends, ah oui, là, on est juste... d'accord. C'est pas... J'avais pas vu qu'il y avait des ouvertures. Vous prenez des précautions particulières? Moi, je regarde un peu partout, j'essaye de voir, juste déjà globalement, s'il n'y a pas genre des trucs qui peuvent tomber du plafond, des murs, des trucs. Ça a l'air safe. Non, c'est... Bah, oui, c'est légèrement, légèrement en alcôve. En alcôve, pardon, en dôme. Mm. L'abus d'alcôve est mauvais pour la santé. Attends, ça m'avait pas donc là, il y a beaucoup de crânes. Est-ce qu'ils sont, comme sur la maquette, ils ont l'air d'avoir été posés à un endroit, genre rangés, balayés? C'est vraiment un ossuaire. Donc c'est là, dans les coins, ils sont agglutinés, ils sont amassés. D'accord. Et au centre aussi, enfin c'est vraiment... au centre, il n'y a que des crânes. D'accord. Et autour, il n'y a pas que des crânes, il y a aussi des fémurs, des tibias, ouais. Des hanches. Ça a été disposé comme c'est ça. C'est humanoïde, en tout cas. Mmh. Ça a été volontairement disposé comme ça. Il faudrait que tu ailles, que tu t'en approches pour tu veux faire un test prisé. D'investigation? Oui. Vas-y. Bon, je trouve rien. Tu trouves rien. Tu t'approches d'où du milieu, ouais. Celui-ci. On avance? Bah oui. Voilà. À droite ou tout droit? À droite. J'aime bien. Hop, tu t'approches. Et à partir du moment où t'es là, bam. Donc je vous fais suivre hein, dans le même ordre. Hein. Vous vous déplacez à peu près à la même... Vous entendez du mouvement dans cette... Et du mouvement... Genre là, là? Non, non, dans celui qui est dans le coin, là. Dans les crânes. Dans les crânes, dans les crânes. Ouais. Là. Voilà. Ici, là, oh, vous entendez des mouvements. Oh putain, des morts vives lardos. Des morts vives lardos. Je propose à tout le monde qu'on recule. Ouais. T'as un bouclier, toi? Oui, mais bon, quand même. Vous mettez par où? C'est pour qu'on se faire taper, vas-y. Non, mais vous mettez par là? On est tous derrière lui, ouais, toi, t'as tout le monde en arrière. Attends, putain, mais s'il y en a dans tous les... Ouais, dites-moi rapidement, tu fais quoi? Pour moi, il y en a là, donc moi, je recule en disant tout le monde en arrière. Par là? Voilà, oui. Moi, okay. Et tu genre, si elle a résistance, je vous pousse un peu comme ça avec les coudes. Toi, Birzim? Bah, j'ai pas le choix du coup, ouais. S'il nous chope. Non, si, t'as ton libre arbitre. C'est juste, lui, c'est son indication, c'est ça, tu fais ce que tu veux. Moi, j'avance vers là, je vais reculer, ouais. Ouais. J'avance vers la sortie, quoi. Moi, je me plante derrière. Mais vers là. Reculer si je marche en arrière. Pareil, tu te mets dans le coin? Moi, je fais ce qu'on me dit, ouais. C'est elle, pareil. Pareil. Juste derrière. Et toi, tu restes ici et tu gardes. En tout cas, on est ensemble. On est ensemble, les frères. Et vous voyez, effectivement, s'élever sur le monticule. Dont vous étiez approché. Un romblard. Une paire de squelettes. Oh là là. Dégueulasse. Dégueulasse. Qui apparaissent ici. Putain. Merci au passage à Joe Hume qui a peint et prêté ses figurines. On embrasse. Merci à lui. Merci Jojo. Qu'on retrouve dans La Bonne Pioche. Spino. Spino, ouais, complètement. Ouais, Spino, il va charger son. Je vous invite à tirer l'initiative. Ouais, bah ça va. Oui. Bon, encore. Ah, c'est les squelettes, ça. 14 va. 14. Pas dégueulasse. Hey, 20, 14, c'est pas dégueulasse. Dis donc. T'as fait un 20 naturel au dé? J'ai fait un 20 naturel, 23. Putain, dommage que l'initiative soit un des seuls trucs auquel c'est pas une réussite critique. 14, et on rajoute quoi? Du coup, je joue vraiment super en premier. C'est bien pour un barbe. Pour faire le... 16. Un petit coup de guitare. Un petit coup de guitare, un petit coup d'inspiration bardique, voilà, c'est ça. Donc tu m'as dit, Corb, t'as fait 23. Combien? 16. 17. 17. Putain, je suis quand même dernier en faisant... J'ai 14. 17. Après, je suis un gamin. 16 et 14. Personne t'en veut. Je m'appuie sur le nez, il y a encore du lait qui coule. Ah. Très bon. C'est des squelettes. C'est des squelettes. Ouais, mais j'ai fait un très bon jet, mon vieux. C'est des squelettes qui ont monté une start-up. N'hésitez pas à acheter des dés chez ils sont vous. À 19. Oh, les bâtards. Donc, ils sont deux. Ouais, ils sont deux. Ils ont une initiative pour eux deux. Corp, c'est à toi. Oui. Je dégaine mon petit tambour. Hein. Tu dégaines ton petit tambour. Hein. Ouais. Non, pas qu'on fasse de la cornemuse. Je joue un petit air. Un petit air. Très bien. À qui vas-tu apporter ton inspiration bardique? Eh bien, toujours, hein, quand même. Toujours à Dithmir? Ah oui, oui. Très bien. Dans les vieux pots. Hein. Ça lui avait bien. Ça a bien marché le combat d'avant. Et puis je tape aussi. On est un duo. Tu tapes comment? Avec mon crossbow.
D'accord, je te laisse tirer. Parce que je suis lâche. Toi, tu t'ajouteras un dé de 6 quand tu veux. Ouais. Tu fais un 20 naturel. Ah ouais. Oh, wow. Critique. Plus 4. Exactement. C'est l'idée. Je te laisse faire les oui, dégâts. Oui, oui, oui. Donc, ça fait 4. Eh ben, ça va quand même se loger dans la mâchoire. Voilà. Ça a l'air très mort. Désagréable. Il n'est pas mort, non. C'est difficile, le butin, j'aime bien. Faut-il prendre Ensuite, c'est à eux. Tu veux faire un mouvement, peut-être ? T'as le droit, avec tes copains, t'as le droit de passer à travers. Le mur, là. Ouais, d'accord. C'est pas tellement très bien. Oui, je voulais proposer d'être quand même un pas en avant pour prendre l'aggro, si tu m'autorises. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc t'es là ? Ouais. Pourquoi prendre l'aggro, c'est l'agressivité, c'est pour être c'est le plus agressif. La première cible, quoi. La première cible. L'agronomie, ouais, d'accord. Eh bien, effectivement, ils se jettent sur toi, tous les deux. Putain, des lâches. Vous êtes des lâches. Heureusement que j'ai joué du tambourin. Hein. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pas malin, parce que là, ça fonce vers la première chose qui est devant soi. Le premier fait littéralement de la merde, de la bonne chiasse. Pourtant, il n'a pas d'organe, c'est vraiment bizarre, mais... Non. De la moelle que... il fait 12 pour toucher, ça rate. Hein. Oui, oui. Et le deuxième fait 22. Ah. Touche. Ça touche. Ça touche, et ça fait donc 5 points de dégâts. Un coup d'épée. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, nous avons... Dithmir, justement, c'est à toi. Tu peux... Riposter. Je riposte en utilisant l'inspiration bardique. Absolument. Sur celui qui m'a fait mal, hein, je sais pas lequel c'est. Oui, t'as bien raison. Du coup, ça fait 12. 12. Ah, c'est de justesse, mais ça ricoche sur son bouclier. Shit. Waouh. C'est un bouclier qui... C'est un gros bouclier. Ensuite, nous avons Arsay. C'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je vais m'approcher déjà et je vais sortir ma dague. Non, si. Non, si. Tu t'approches, vas-y. Ouais, au maximum là, au même niveau que lui. Très bien. Tu vas au contact. Je vais au contact. Bah, elle est naïve, elle est. Les deux. Tu fais deux plus quelque chose, mais je suis pas sûr que ça touche. Non, mais non. Même avec 6. Non, ça. Un coup de dague et ça passe entre les côtes, mais c'est du vide. Oui, mais tu sais quoi, je regrette absolument rien. Il rit un peu. Parce que j'y suis allée. C'est vrai, c'est bien brave. Bien sûr. Tu peux avoir un sort cantrip en action bonus, hein, par exemple. Je crois que Fireball, c'est ça. Je suis pas sûr. En action, je peux pas. J'ai pas action. Non, t'as pas d'action bonus. Très bien, c'est ta corbe. Juste avant que tu joues, il y a deux autres squelettes. Oh, les bâtards, mais ils sont. C'est tout. Tu sais, ils s'attaquent en gros. Ils multiplient. Qui s'élèvent. D'ici, de ce monticule. Deux autres. Ils sont trop bien. Là, on est. Ouais, il va pas falloir qu'il y en ait beaucoup trop d'autres quand même. Hein. C'est à Cobb de jouer. Est-ce que j'ai le moindre cantrip qui pourrait servir à quelque chose? Non. Bah non, je tire, moi. Je tire toujours à l'arbalète. Hein. D'accord. Bah, t'avais fait un 20 naturel tout à l'heure. Ouais, et ben 14. 14, tu touches. C'est bien. Tu tires sur le quai? Bah sur mon gars sur... Toujours le même, ouais. Celui que t'as commencé à abîmer. Ouais, vas-y. Pas de problème. 7. Tu fais 7 de dommage, hein. Ouais. Très bien. Il est... Tu lui enlèves 2-3 côtes. Il perd un petit peu l'équilibre comme ça, mais il continue à avancer sur Dithmir. Il a du dommage, lui? Non, il n'y en a qu'un seul, c'est celui qui est sur la figurine en train de sortir de terre, mais c'est le seul qui est endommagé pour l'instant. C'est à eux de jouer. Vas-y, on n'a pas un sort... Une attaque sur chacun. Tous les... Ça nous fait un petit 6 contre toi. Classe d'armure. T'as combien en classe d'armure? T'as au-dessus. C'est quoi T'as 15, je crois, dans mon souvenir. Tu peux me faire le plaisir. 15. T'as 15, donc ça loupe. Il essaye de tirer dessus et ça ricoche sur les écailles de ton bras. Et toi, Dithmir, ça fait 18. Ah. C'est ma classe d'art. Ah, donc ça putain. Te touche. Et ça te fait 7 points de dommage. Ah, j'ai un genou à terre là. Ouais. T'as second souffle. Hein. Le second souffle, c'est tu tires je sais plus combien de dés et ça te redonne des points de vie. C'est une action bonus. Je vais regarder dans le clair parce que je l'ai pas là. Ouais. Malheureusement, c'est à toi de jouer. Ah non, il y a les deux autres aussi. Ouais, les deux autres, ouais, donc ils vont ça. Popper, là, ils ont... Pas de... Si, ils ont une action. Mal de l'invocation. Quoique, non, t'as... cela dit, je vais faire une initiative pour eux aussi. Eh ben, putain, j'ai fait 18, donc c'est encore mieux. Ils s'approchent.
2, 3, 4, oh, bâtard. 5. Il va t'attaquer, toi, Adrien. Comme par hasard. Comme par hasard. Et c'est ta gueule cendrée qui lui revient pas. Ouais, bah, pff, les... Il fait 9 pour toucher. Regarde ta classe d'armure. C'est 11. Et si 11, d'accord, ça échoue. Donc, tu arrives à l'esquiver in extremis. Et le dernier, il va s'attaquer. T'as fait des dommages, toi? Ouais. Non, c'est Corbe qui a fait des dommages. 1, 2, 3, 4, il se met là et il va essayer d'attaquer Corbe. Il se fait discrète. Ils sont très proches, là. Mais 8 et 4, 12. Pour ta classe d'art, t'es à 13. Mmh. Il t'attaque, mais ça passe juste à côté. C'est ta... Bon, on leur met une race. Dites-moi. Je vais essayer de finir celui qui est par terre, là. Mais non. Je suis pas sûr, là, avec un 3. Ouais, ok. Et donc, je vais faire second souffle en... En action bonus. Ouais, 8. Tu récupères 8 points de vie. C'est à Arcel de jouer. Alors... Moi, là, je suis trop proche pour envoyer Firebolt, c'est ça? Donc, je peux me retourner. Ouais. En fait, je viens de voir qu'il vient d'attaquer Corbe. Donc, Là, t'es à portée de contact aussi, hein, donc ouais, tu fais à des avantages aussi. Ouais, lui, tu peux. Voilà. Alors, lui, je vais tenter un Firebolt sur lui. D'accord. Vas-y. Et si tu veux, tu peux en faire deux. Hein. C'est comme les... En fait, c'est comme c'est une action bonus, ouais. C'est plus rapide à faire qu'une action complète. Non, c'est une action bonus. Ah putain, j'aurais dû faire des courses en fait. C'est un trait de feu, c'est un cantrip et action bonus. Ça veut dire que tu peux l'utiliser en plus d'un autre sort. Mais tu peux très bien décider que ce sera ça ton autre sort. Donc tu peux en faire deux dans le même tour. Ah, mais j'en fais deux. Vas-y. Sur le même pareil pour toi hein, avec Eldritch Blast. Je peux en faire deux. Tu peux en faire deux dans le même tour. Ouais. Et sur le même personne. Action et action bonus. Ouais, ouais. Ok. Vas-y. Ça me fait chier qu'on a 18. De merde. 18, ça touche. 7. 7 plus combien? Plus 6. Plus 6. 7 plus 6, ça fait 13, ça touche. Les deux touchent. Ouais. Bah, et tout. Donc sur lui, je passe les dégâts. Là, il faut que tu fasses les dégâts. Donc c'est 2 des 10. Tu tapes qui là? Un petit peu moins fort les impacts, s'il vous plaît. Non, c'est moi, je suis nerveuse. C'est lui qui m'a tapé. Birzim, c'est à toi. Alors, moi, j'ai une question. Ouais. Parce que je viens de voir que j'ai un sort qui m'intéresse. Mais il nécessite, il y a marqué component VSM. Ça veut dire que c'est vocal, somatique, donc des mouvements, et M matériel. Mais on considère que les lanceurs de sorts, ils ont. Dit ça juste pour savoir si par exemple tu es attaché et que ta composante c'est seulement vocal, bah, tu peux faire ton sort. Mais s'il faut du somatique, donc des gestes, bah, tu vas pas pouvoir le faire, etc. Okay. etc. Et si tu es cul nu dans une prison, bah, les composantes matérielles, tu les as pas sur toi. Ouais, et parce qu'il y a marqué. C'est quoi ton sort? C'est protection from evil and good. Ouais. C'est-à-dire que si je fais ça sur quelqu'un, les squelettes, ils ont des malus quand ils l'attaquent. Oui, ils sont à des avantages, ouais. Mais c'est quelqu'un que je touche, donc ce serait toi. Ouais. Mais. Je crois. Ah ouais? Ouais, ouais. Pour moi, c'est plus sympa. C'est plus sympa parce que toi, tu peux soigner les gens. Donc je fais ça. Tout à fait, bah vas-y. Tu es protégé contre le mal. Et donc, ils vont avoir du désavantage pour t'attaquer. Et maintenant, je lui mets un Eldritch Blast. Mais alors, à lui, tu serais au désavantage pour toucher, et à ces deux-là, non. Donc, pour faire une attaque à distance quand t'es au contact, t'es à désavantage. Je tape le même, là, le roublard. Lui. Lui, il est pas loin, il est très mal en point. Hein. Il a perdu beaucoup de côtes et de. Je vais lui niquer, de je morceaux vais niquer et ça va calmer les autres. J'ai fait 16. Tu touches? Allez. Il vole en éclats. Il y a quoi maintenant, les squelettes là? Vous êtes même pas vivants les mecs! Il en reste d'être mort en 2-3. C'est maintenant, donc ça c'est la fin de ton tour. À moins que tu veuilles te déplacer, mais je te conseille pas vu que t'es encerclé par les squelettes là. Oui, parce qu'ils ont un truc d'opportunité, je sais pas quoi là. Ils auraient une attaque d'opportunité, ouais. Ouais, voilà, donc bon, je reste. Tu restes là. Donc les squelettes. Eh ben, ils vont continuer leur ouvrage. Lui, il va t'attaquer, Adrien. Ah ouais? T'as vu comment j'ai marre ton pote, mon gars? 11. Ça touche ou pas? C'est égal. C'est ta classe d'armure, donc ça touche. Mmh, okay. Je pense pas. Si, si. Moi, directement. tu prends vraiment le cœur sur la main. Tu prends 4 points de dégâts. Le donc, suivant, il t'attaque toi. Mais hit point. Et moi, je suis protégé contre le mal, les mecs. Ah oui, c'est des avantages, oui, effectivement. Eh ben, ça te sauve, puisqu'il fait 9 grâce à ça.
plus que ça en CA. De rien. Très bien. Lui, il va continuer à cogner quand même sur Dithmir parce que c'est celui qui est le plus impressionnant. Je sais pas. Vu le déroulement des derniers trucs. C'est la grosse armure, le bouclier, tout ça. Ça fait 10. Non, ça échoue. C'est donc à toi, Dithmir. C'est à moi. Vas-y. Alors, lui, est-ce que je peux me. Je suis encore avec lui, on considère. Oui, oui. Est-ce que le fait qu'on soit tous les deux du même côté, ça me donne l'avantage ou pas? Ou il faut que je l'encercle? Non. Je peux lui tourner autour. Lui, tu pourrais avoir l'avantage parce que vous l'encerclez avec, avec ouais. Birzim. Mais je peux me déplacer pour me mettre derrière lui. Si tu veux, mais là, ça déclencherait une attaque d'opportunité de lui. Bon, il me tourne le dos. Bon, ok. Non, mais... je vais taper lui. Tu tapes sur lui? Ouais. Très bien. Et donc là, vous donc là tu lances 2 dés, t'as avantage. Mmh, ah, pas loin, pas loin du 20. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, je touche. Ouais. Et. T'as fait 14 OD, hein. Donc, ouais. Merde, attends, c'était quoi mes dégâts? Parce que je l'ai plus sur la fiche, c'est un dé de 8, je crois. La prochaine, c'est ouais, toi, Arsène. 8. 8 de dégâts. 8 de dégâts, tu ajoutes ta dex. Hein. Ah, tu mets des coups de. Oui, tout à fait. Mets des coups de rapière et effectivement, tu lui brises quelques ossements. Il est en mal en point. Il a 8 de dégâts, lui. Lui, il était tout neuf. Il n'avait aucun problème. T'as tapé lequel, là? Celui-là. Attends. Celui-là, là, celui au milieu. Pas celui qui est en face d'Arsène. Non. D'accord, non. Bon, bah, je vais encore lui parce que là, je suis au coup d'à-coup des deux. Vas-y. Lui. Tu peux tirer. Et Fire. Sympa de ta part. Hop. C'est là, hein, c'est lui. Tout à fait. Putain, 7. Bah, 7 et combien? Ah, oui. Ah, ne pars pas par. Non, c'est vrai. 13. Ça te fallait. Tu vois, voilà, elle était perdante. Mais oui, c'est vrai. C'est uniquement des os. C'est des ossements. Mais attends, ils ont rien en froc, putain. Ça, c'est un dé de 8. C'est un dé de 8. Si tu fais moins avec ton dé de 10, vas-y, lance un dé de 10. Si tu fais moins, je te garde ton 4. Ouais. Waouh, ça c'est simple. 3. Ouais, gardons ton 4. Ok. Extrêmement sympa. Donc, on arrive à. Il est pas mort? Non, il est pas mort. T'as le droit de retirer, si, je crois. Mais... T'as le droit de retirer un deuxième. Petite blague. Même s'il était mort. Un deuxième tout. Pour toucher. Pour toucher. Ok. 9. 9 et 6. 15, donc tu touches encore. Allez. Ah, elle est contente. Ah, 9. 9. Ah ouais, là, il explose. Allez. Il vole en éclats. Allez, dégage. Putain, dégage. T'es un os, mon gars. Waouh, tu l'as bien vanné, hein. Dis donc. Ouh, la vache. Le pauvre. Il est tellement vexé qu'il fuit. C'est à Birzim. Hey, t'es maigre. Bah, du coup, échange de bons procédés. Je vais mettre 2 Eldritch Blast sur lui qui est... Qui lui fait face. Voilà. D'accord. Je dis, hey, regarde. Ah, ça, voilà, ça part dans les airs. Je fais, ah, zut. Je refais un autre. 10. 10 au total? Ouais. Non. Putain, mais c'est hideux. Ému par le fait que Arsael se soit chargé de venir à ton secours. Ah, t'as perdu un peu tes moyens et ça part dans les murs et dans le plafond. Comme quoi, j'ai quand même du cœur. Il y a quand même un petit cœur au fond de cette peau cendrée. Il y a des traits qui passent au-dessus, on se dit « Ah, c'est sans doute lui qui a raté ». Ouais, ouais. Nouveau tour, c'est à toi. C'est moi qui ai tué le plus de monde. T'as les scores dans ton Il reste donc lui qui est toujours au contact de toi et en face de Arsael, il est bien en forme. On lui a pas encore fait quoi que ce soit. Au moyen de ton arbalète? Tout à fait. Vas-y. 17. 17, tu touches. Et tu fais un des 8 dégâts, je crois. 9. 9, pas mal. Effectivement, ça vient se loger dans la cage thoracique. Il a l'air... Il a perdu un petit peu son assiette, mais il arrive à se rétablir quand même. Son assiette. Ah, il doit pas y avoir grand-chose dans son assiette parce qu'il est maigre. Bon, on a compris cette Ensuite, c'est donc à eux, celui face à Arsael. 13 pour toucher. 13 pour toucher face à ta classe d'armure. Et ici 15. Ça loupe donc. Ça ricoche encore sur tes écailles draconiques. Celui-ci, bah, continue contre toi, Birzim. Oula, bah, ça fait 7. 7, ça te touche pas. Très bien. Je l'esquive et je fais olé. Donc t'es en CM2, c'est ça. Bah, pas là, hein, je rappelle. Tu as 12 ans. Le même. T'attaques toujours le même. Oui, large. 22. T'as fait 15 OD. Oui, tu touches, vas-y. Fais les dégâts. C'est sur lui. Et bon, je lui fais 4. Tu lui fais 4 de dommages? Ouais, on fait beaucoup de 1 au dé. Ah, putain, c'est pas beaucoup. C'est pas... Il est un peu efficace. Il est un peu déstabilisé, mais ça va, il se tient encore à peu près debout.
Bon, ils sont frêles hein, quand même. Enfin, c'est ouais. un mauvais jeu de mots parce ouais. que c'est des squelettes, mais ils sont maigres. Ils ont l'air usés. Ils ont les os poreux là. Ça y est, on a les os bien poreux. On a repris un peu. Début du nouveau tour. Ok. Toi, excuse-moi. Je m'étais perdu. Vu que je suis au contact, je passe à la dague. Allez. Bim. Comme ça. Je vous le dis tout de go. Tout de go. Et sur lui pas là. Pas de timidité. Elle est pleine de ressources. Sur celui qui est face à toi. Ouais. Ok. 14. 14, tu touches. Oh. Plus. Ça touche. Oui, oui. Si j'oubliais, 18. Ok. Ça touche encore moins. Les dégâts de la dague, c'est pas ça, c'est un dé de 4, je crois. Un dé de 4 plus ta force. C'est un dé de 4 plus quelque chose. C'est la petite pyramide. C'est la petite pyramide, un dé de 4. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah, c'est le chiffre qui est tout en haut. C'est 3 ? Ouais. Et il y a peut-être un. Plus 2. 3 plus 2. 5. Et. C'est ça. Tu arrives à le. Tu sectionnes sa colonne vertébrale. Il tombe. Fini. Il tombe en vrac, ses vertèbres sont J'en ai deux, lâchées. Les gars. Il est dead. Il est dead, ah, oui, Adrien. C'est des morts vivants. Dead à nouveau. Ok, j'ai eu deux. Donc attends. Donc lui est... Décédé. Ça dégage. Il est décédé. Ouais. Corb, c'est à toi à nouveau. Toujours pareil, alors. Toujours pareil. Là, c'est des avantages parce qu'il est face à toi. Il n'y a plus que lui et il est... Tu peux sortir ta rapière. Je pense à la dague. T'as une rapière, non? J'ai même une rapière, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est mieux une rapière. Ça fait plus de dommages. Donc tu dégaines ta rapière. 17, ça touche. 17, tu touches. Je touche de ouf et je lui mets... Pouah. Je lui mets 10. Tu lui mets 10 Bah ouais. Ah, il vole en éclats. Tous les os éclatent sur le sol, ricochent sur le sol froid de cette salle. Je l'ai laissé pour ta confiance en toi. Tant que je le fouille. Ouais. Et... On peut récapituler combien de personnes ont tué, combien de squelettes? Si tu veux. Plus tard. Faites-le entre vous. Ouais, faites-le entre vous. Après, moi, j'ai tué quand même un énorme troll. Tu rentres dans cette pièce. Ouais. Moi, un squelette, mais un énorme troll aussi. Bravo, c'était très bien. Grâce à tout le monde. C'est rien, on n'est pas là pour tenir les scores. 140 pièces. Vous êtes pas au courant, donc... Je suis seul à avoir pris des dégâts parce que j'ai mal. Tu veux qu'on te soigne? Bah si. J'aurais rien contre. Moi pas. Dans mon tour, je peux faire une bonus action et lui faire un petit healing word. Bien sûr, mais là, vous êtes hors combat, tu fais. Tout ce que je veux. Je fais un petit massage en prime. Un petit massage des pieds. Allez, vous connaissez très bien, j'ai l'impression. On fait de l'aventure ensemble depuis, depuis un petit moment, on dirait. Juste les sorts comme ça, c'est genre t'en fais autant que tu veux. C'est à volonté, ouais. Ah ? C'est à volonté. Après, on va pas dire j'enchaîne les healing words pour. Tu vois. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose dans cette pièce ? Je crois qu'on a fait. Non, on se casse parce que j'ai pas envie qu'il y ait d'autres qui pop. Je fais un high five à tout le monde. D'accord. Hey, il devient de plus en plus sympa, bien aimé. Bon, non, mais moi je suis exalté. Je suis trop content d'être à l'aventure, quoi. Et maintenant, ça revient un petit peu en arrière. Vous arrivez à un croisement. À un croisement, pardon, à un coude. Et en face, ici, vous voyez qu'il y a une porte qui est fermée. Que souhaitez-vous faire? Vous avancez? Oui. Est-ce qu'on peut. Est-ce que juste... tenter de faire mon truc qui ouvre les portes à distance si elle n'est pas verrouillée? C'est quoi le truc qui fait qui ouvre les portes? J'ai un truc de thaumaturge qui permet d'ouvrir les portes à distance. Ah, thaumaturgiste, ouais, c'est tu et fais un coup de vent. Elle slam open en plus, donc elle fout de manière hyper spectaculaire. Ouais. Elle est bruyante encore une fois. Oui, oui. Si tu veux, tu peux faire genre de la corde. Si elle est verrouillée, ça la tombe un peu à l'eau, mais. Vas-y. Et elle s'ouvre, elle est pas verrouillée. Wow. Est-ce qu'il y a une brise qui bouge mes cheveux? Moi j'ai un truc pareil, ça s'appelle ma main, mais pour ouvrir les portes qui sont pas verrouillées. À distance. Et vous avez donc. Une salle au bout. Aïe, aïe, aïe. Ah, une salle. Elle est illuminée de l'intérieur. Il y a des chandelles. Vous avancez un petit peu. C'est des chandelles, c'est pas de la lumière magique. Enfin, c'est de la brillance un petit peu. Il y a une vibration dans la lumière. Je peux faire un jet d'arcana pour voir s'il y a de la magie. Il y a de la magie dans l'air. C'est pas de détection de la magie arcana. C'est tu observes quelque chose et tu détermines si c'est magique. Oui, donc moi je peux pas. Là je peux pas. Bah tu peux faire detect magic, mais ça te coûtera un sort. Et vous arrivez face à. Une dernière pièce, vous observez. J'ai compris. C'est encore plus mignon, on dirait une maison de poupée. C'est la Biblie. Un peu. C'est la chambre de Rudy. Il y a un petit fauteuil. Rudos. Il y a un petit fauteuil. Vous avancez. Hop. Je pousse un peu quand même. Et Dithmir, qui est toujours. Qui ouvre la marche, hein. Je considère que tu ouvres la marche à chaque fois. Oui, oui, oui. Tu veux me faire un petit save de dextérité, s'il te plaît? Combien? 10. Ah non. Donc là, tu tombes dans une trappe. De putra. Une trappe de putra. Nous, on peut pas essayer de le rattraper? Si. Allez, vas-y, fais-moi un jet de dextérité.
ça sera stylé. De dextérité pure. Sachant que c'est vraiment pas mon point fort, la dextérité. Non, d'athlétics. D'athlétisme. Voilà. Un peu mieux. Je suis pas sûr que tu sois meilleur. Un peu mieux. 14. Ouais, 14 ouais, c'est fort. Ok, t'arrives à le rattraper in extremis. Fais-moi un test de force ouais, pour le retirer. Vous pouvez l'aider, si vous voulez. C'est juste vous lui donner l'avantage. Ouais, on lui donne un D20. Ouais, c'est ça. Ah oui, pardon, je croyais que t'allais le tirer, excuse-moi. Okay. 15 plus 1, 16. Ok, t'arrives à le retirer. On y arrive, du coup. Oui, vous y arrivez, effectivement, avec l'aide de Corbe qui s'est avancée. Bien joué. Pour vous donner un coup de main. Ça va, gamin ? Bon, décidément, elle était juste là, la trappe. T'inquiète, gamin, t'es impétueux. Il y a 47 ans, finalement. Et vous vous décidez à contourner cette petite trappe, et vous entrez dans cette pièce. Et là, dans cette pièce illuminée et bien meublée pour un donjon, il y a une personne. Quelle est sa nature de cheveux ? Il est frisé, blond, un léger embonpoint. Il est assis très nonchalamment dans son fauteuil, et il vous regarde arriver. Eh bien, quelle entrée fracassante. Bah ouais, c'est elle avec son sort, là, fait claquer la porte. Je vous avais dit que ça impressionnerait les gens. Il a l'air impressionné. Ça te défrise ? Allez. Il est quelqu'un à la porte. Waouh, je l'avais jamais entendue, celle-là. C'est vrai. Entrez, je vous en prie. Il est juste un peu moelleux, quoi. Sa grosse panse. Il est derrière son petit Rangez vos armes, je ne suis pas pour la violence, moi. Il est derrière son petit bureau, ouais, il est assis sur son petit fauteuil. Voilà, la figurine... Votre bureau, il est quand même au milieu d'un endroit où il y a des squelettes et des trolls, mais... Vous êtes seul ici ? À part les monstres qui peuplent mon donjon pour me protéger, oui, je suis seul. Ouais. Dans la pièce ? Contre la violence, bon, à moitié quand même. On est venu pour le journal. D'accord. Le journal de ? Ah, please. Quoi ? Elle est bilingue, elle veut dire « s'il vous plaît ». Ah oui, elle est originaire de ta farm. Je connais ce dialecte de ta farm. Vous avez volé combien de bouquins dernièrement ? Dans les 5 derniers jours ? Regardez ma bibliothèque, non, c'est pas vrai. J'adore plaisanter moi aussi. C'est donc pour le journal d'aventurier du grand-père de Moore que vous êtes là ? C'est ça. Ça nous arrange que vous le disiez comme ça, parce qu'on ne sait pas son nom. C'était Randall. Exact. Randy. 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 Oui, celui que vous avez volé par basse vengeance, parce que... C'est un râteau. Peu importe les raisons. Ouais. Moi, j'ai envie de le garder. C'est un peu mignon, quand même. J'ai envie de le garder. Elle vous donne combien pour le récupérer ? Parce qu'elle vous a envoyé en mission, j'imagine. Ah, enfin, si, 140 pièces d'or. Bon, ça suffit. Elle vous donne 140 pièces d'or ? Non, elle dit n'importe quoi, et en plus, elle n'est pas au courant. Combien vous nous donnez pour le garder ? Ouais, non, on va parler comme ça. C'était moi qui posais la question. Oui, mais on est 4. Combien elle vous a donné ? On est 4. Pardon, on est 4, en fait. Oui. Et t'es seul tout, on a tué ton troll. Je lui ai mis une flèche dans l'œil, mon pote. Est-ce que vraiment vous le négociez ? Ça serait génial, les trolls. Il va peut-être revenir dans les minutes qui viennent. Vous inventez parce que je vous ai cassé. Est-ce que son bureau a l'air très lourd ou pas ? Oui, il a l'air assez lourd. C'est assez massif. C'est vraiment du bois massif. Tu lui fais un table flip ? Ouais. Bah, je voulais, mais si c'est ça a l'air un peu dur. Mais... Ça reste d'être un peu grotesque comme ça. T'es costaud. Oui, oui. Moi, je fais. Et je fais tomber un livre. Non, mais en fait, ce que je voulais, c'était avec le pied, pousser le bureau contre lui, je sais pas s'il est assis sur sa chaise ou quoi. Tu veux faire ça ? Non, il est assis sur son fauteuil, nonchalant. J'essaie de faire ça. Ok, fais-moi un jet d'attaque. Au pire, tu mets un coup de latte dans le bureau. Oui, au pire, ça sera impressionnant si je rate, voilà. Du coup, 15. 15, ouais, bah largement. Pour un bureau. Tu pousses le bureau pour lui mettre dans la gueule, en fait, son propre bureau. Et un jet de dex. Il se pète la gueule. Mais ça va pas, vous êtes cinglé. Tout tombe par terre. Alors, comme ça. Je crois qu'en fait, t'as pas très bien compris lui, ce qu'on est venu faire ici. Il est éclaté au sol. Je m'approche de lui. Il est éclaté au sol. Je m'approche de lui avec ma lame. Je crois que t'as pas très bien compris ce qu'on vient faire ici, en fait. Ok. Eh ben, vous êtes venu m'agresser ? Non, on est venu récupérer un journal et pas parler avec toi, en fait. Et te tutoyer, mon gars. Je vous donne 3 fois ce qu'elle vous donne. Je mets ma lame. L'argent nous intéresse pas. Combien ? 3 fois. Elle nous donne 8000. Ça m'étonnerait. Elle a pas ce genre de... J'appuie un peu avec ma lame. Fais un jet de bluff. Fais-moi un test d'intimidation. Je fais 13. Tu fais 13 pour... Persuasion. Non, il y croit pas. Enfin... C'est une blague. Mm-hmm, ouais. En revanche, votre copain, là, ce serait... Je vous ai dit, je triple. Je triple la somme. On en parle après. D'abord, le journal. Il est où ?
Montrez-le déjà. Très bien. Je vais vous le donner, je vous le promets. Non, indiquez-nous où il est, on va le prendre tout seul. Il est dans le tiroir de mon bureau que vous avez renversé. Il est sûrement pété, alors c'est du bois précieux. Je vous regarde. Je fouille dans le... Vas-y, tu ouvres ouais. Le premier tiroir, non. Dans le deuxième, il y a un petit journal en cuir noir bien usé. Et tu feuillettes un petit peu et tu vois effectivement une écriture et des schémas de donjons, des croquis de monstres, des notes sur attention, les gobelins, ils attaquent en pack, etc. Ok, d'accord. Donc ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça, oui. Ok. Il est marqué en page de garde. Journal de... Non, il n'y a pas de page de garde. Il est retourné. Il met son adresse avec des ronds sur les i. Au poney numérique. Voilà, c'est bon, laissez-moi. Je peux me relever, là, quand même. Reste tranquille. On n'a pas encore décidé. Non, parce qu'on avait ordre de le tuer aussi. Non. Mais tu vois, dans ta tête, ça. Ça m'aurait étonné, voilà. Quand même. Oui, mais je peux encore changer d'avis, après tout. Parce que le troll, tout ça... Qui me dit que tu vas jamais te chercher à te venger? T'avais parlé de combien de pièces d'or déjà? Si vous enlevez la pointe de votre rapière de ma gorge, peut-être qu'on pourrait parler intelligemment. Bon, vas-y. Et je lui relève même sa chaise. Ok, tu lui relèves et sa chaise. Et on se met tous autour là, on l'entoure. Mmh. Ok. Avec un cure-dent. Et moi je lui fais. Je mets sa chaise. Vraiment, c'est un mec en cinquième quoi. J'ai 17 ans, putain. Ouais, non, mais tu fais option foot quoi. Ah, mais c'est bon. J'ai compris. Vous avez gagné, c'est bon, je vous ai rendu... Donc, tu étais prêt à nous donner des pièces d'or, c'est ça? C'est-à-dire que t'en as? Si je gardais... Non. Bon. J'allais dire, ça m'étonnerait que Moore vous ait demandé de m'abattre. Parce qu'on travaille ensemble. Mmh. Vous faites quoi? On appartient à une société secrète. Oh. Et qui s'intitule Les Honnêtes Charpentiers. Est-ce que le symbole serait pas un triangle avec un cercle et des flèches par hasard? Ça, c'est une unité spécifique. Et cette unité spécifique s'appelle le Concorsum. Elle a été lancée il y a quelques années et Moore et moi travaillons de concert pour recruter de nouveaux agents. Et vous venez de passer celui qu'on appelle le donjon des épreuves. Donc vous nous faites croire qu'elle est. Et y compris ma proposition de vous racheter le livre, c'est la dernière épreuve. C'est Est-ce pour voir peux... si vous êtes digne de confiance. Je peux faire un jet pour voir s'il m'étonne. Insight. 12. Il semble tout à fait honnête. Ouais. Je range ma rapière. Après, eux, ils peuvent faire un test. Et regardez, il sort un... Une amulette. Un médaillon. Sur le médaillon, il y a exactement le même. Ouais. Vous avez déjà vu, tous les deux, un médaillon similaire dans les égouts. Ah, mais oui. Exactement la même forme. Voilà, ça, c'est le symbole du Concorsum. Moi, je suis un agent du Concorsum. Et je suis chargé, avec Moore, de recruter des nouveaux agents. Donc vous dites qu'elle nous a fait croire que vous aviez volé son carnet? Oui. Pour nous emmener ici, pour passer une épreuve? C'est exactement ce que je vous dis. Et bravo, vous avez... Et vous n'êtes pas pris une crampe par elle? Ça, c'est peut-être autre chose. Ça, c'est... Non, mais rien à voir. On n'est pas dans ce genre de... En tout cas, c'est ce qu'elle aime bien. Bon, elle donne la raison qu'elle veut. Moi, je m'en fous. J'ai pas ce genre d'orgueil. C'est la honte pour vous, quand même. Félicitations, vous avez gagné. Et si vous le souhaitez, bah vous avez gagné déjà la somme qu'elle vous a promis. Travailler plus souvent pour vous, c'est ça? Et l'offre de rentrer dans le Concorsum et de devenir des agents officiels. Et après, on pourra vous expliquer en quoi ça correspond. À quoi ça correspond. Et c'est... D'accord. On peut pas savoir avant en quoi ça consiste? Si. Avant d'accepter? Je peux vous expliquer en quoi ça consiste. Ou alors on peut demander à moi. C'est vrai qu'on peut faire ça. Puisque c'est elle notre employeur. Comme vous préférez, on travaille ensemble. Vous voulez qu'on y aille? Ah oui. Ce que j'allais dire. Ah oui, faisons vous ça. Venez avec nous. On peut lui attacher les mains, un truc? Je vais avoir du mal à ce qu'on y aille rapidement et sans difficulté si vous m'attachez les mains. On vous tient. Non, mais on va dire que c'est bon. Ouais, bon, allez. Et on est quatre, on vient de tuer tout le monde. Ouais, c'est mais vrai. S'il fait des petites roublardises de sorts ou je sais non, pas. Non, mais quoi, il nous a l'air honnête. Sortez votre rapière, pointez-la contre mon dos, et si je fais le moindre pas de travers... Déjà, vous dites pas ce qu'on fait. Bon, on fait ça? Ouais. J'attache pas les mains, donc. Mm. Bon, bah allons-y. On peut fouiller la pièce vite fait, voir s'il y a des trucs. Ouais. Moi, donc, je regarde un peu attends, les bouquins. Attends, parce que là, vous étiez sur le point de partir, rejoindre ouais, le mais bois. Genre, et tu fais quoi? Tu dis, attendez. Non, je dis rien, genre pendant qu'ils s'en vont, moi, je jette un œil vite fait au bouquin. Alors juste, on repart par où, à part le... C'est pour ça que j'ai besoin de mes mains. Oui, on a bien compris. Vous voyez ce miroir? On va passer par ce miroir.
C'est pardon. Comme ça, tellement cool. Ce miroir, vous le voyez là, au coin de la pièce. Je me vois. Enfin, je me vois moi dedans. Oui. Eh bien, je peux faire en sorte qu'il nous transporte magiquement. Ils sont forts ces charpentiers quand même. Moi, j'ai vite fait un œil au bouquin, juste. D'accord, vas-y. Le jet de le bouquin de l'aventurier. Non, il y a des bouquins dans, dans les bibliothèques, s'il y a des trucs. Donc tu veux fouiller. Donc pour l'instant, vous attendez, vous voyez, Benzemi qui fait le tour. Tu trouves une potion de soin majeur. C'est pas possible, il y a des potions. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Déjà, vous avez pas vu. Et il voit ou pas? Si, si, là, on ne te cache pas. Te regarder, donc quelqu'un veut ça? Tu sais, ils sont tous comme, comme Sonic en train de tapoter le pied. J'ai failli attendre. Quelqu'un veut ça? Tout c'est, je dis à Rudy, après toute cette bonne guerre, vu. C'est vrai? Oui, c'est le genre de choses qui fait partie des dotations des agents. Pardon. Très bien, je suis ravi pour vous, madame. Très bien, on peut y aller. Allez. On y va. Et tu trouves tous ensemble? Tu trouves un autre truc. Ah. Une paire de lunettes. Ça me plaît énormément. Avec des verres un peu étranges qui ont des reflets arc-en-ciel. Je mets ça dans ma poche intérieure de ma veste. Tu peux noter regard charmeur. Ça s'appelle regard charmeur, l'objet. Donc c'est tous en même temps, votre miroir, là? On a 6 secondes une fois que je l'active. Vous avez d'autres questions? Ça commence à devenir long, là. Hein. Bon, bon, allez, on y va. On y va. Doucement, Rudos. Non, on vous a un peu rudoyé. Ok, on y allez. Va. Très bien. On le connaît pas depuis longtemps. Mmh. Si, moi ouais. Si, mon pote. Mais... Après, vous faites... Il se dispose devant le miroir. Il prononce quelques formules magiques. Arraste, ulungarae, arraste, uriush, kedosh. Vous voyez la surface du miroir devenir comme la surface de l'eau, avec des ondes qui se créent sans mouvement physique, et des glyphes magiques qui brillent d'une lueur bleu clair tout autour du miroir activé. Allez-y. Je peux faire un jet d'arcana, juste pour identifier les glyphes. 18, c'est un rituel de téléportation aménagé. Ok, c'est ok les gars. Vous avez l'impression de ne plus avoir de corps pendant quelques instants, d'être dématérialisé. C'est très bizarre et comme si, parallèlement à cette sensation de décorporalisation, bizarre, ça c'est existe, bon, ça existe des décorporalisations. J'ai du mal à le prononcer. Depuis maintenant. Vos os, vos os vous paraissent glacés. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est moi. Vos os, pardon. C'est moi qui vos os, le clown. Pardon. Je l'ai pas dit fort. Les os de votre corps vous paraissent comme glacés, comme si vous étiez au contact d'un glacier. Et vous êtes comme projeté par l'avant à une vitesse inimaginable pour vous qui n'avez jamais fait ce genre de voyage. Mmh. Et vous aboutissez dans une pièce. Où Moore vous attend. Waouh! Debout, devant vous. La vraie. Et elle fait bravo et potentiellement bienvenue. Et c'est là-dessus qu'on va terminer le premier épisode de La Bonne Auberge. Bravo, La Bonne Auberge! Bravo à vous! Ah oui, maintenant, les remerciements, rapidement. Je tiens à remercier toutes les personnes de la technique. Valentin et l'équipe de Gozulting, de Gozulting qui nous accueillent dans leur studio, qui nous ont permis de construire ce fabuleux décor qui a été conçu et réalisé par Dorian Hugues, qui est une chef décoratrice d'énorme talent, avec Tiffany qui l'a aidé. Voilà, merci beaucoup, c'est vraiment un énorme travail. Je tiens à remercier aussi Julien Mindel, qui est peintre en figurine, qui a fait un travail de dingue pour peindre les héros, qui ont peint les héros de notre petite compagnie en 2 jours et demi, sachant qu'il était dans une atmosphère pas propice au travail, attenté devant, là, pardon. Pas propice au travail minutieux des figurines, et en me donnant des conseils pour moi que je sois un peu meilleur pour peindre des figurines, donc merci à lui. On vous mettra en tout cas dans le replay les liens de son Instagram et tout ça. Il me reste également à remercier Damien Maric qui produit cette émission, et ça fait des années qu'on en parle.
des mois qu'on travaille avec acharnement dessus et j'étais très 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 content de l'avoir à mes côtés parce que c'était une longue bataille. Merci beaucoup d'avoir suivi. Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à regarder 1000 fois le replay parce qu'on a besoin de faire des scores un petit peu balèzes pour qu'après, on puisse continuer pour une saison entière. Donc, on compte sur votre soutien. Merci beaucoup. Je suis très ému un peu parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Merci beaucoup et à bientôt dans la bonne auberge.